dit au serveur, excusez-moi garçon, vous avez des cuisses de grenouille? Et le serveur lui dit, non, ça a toujours été ma façon de marcher. On parle du méchant loup et du croque-mitaine. Faut le dire parce que je suis intarissable. Qu'est-ce qu'un furoncle sur la fesse d'un russe? Une tumeur au cerveau. Au chiottes, l'emmerdeur! On veut de la fesse! Doucement, les mecs, soyez indulgents. Moi, je suis le cuistot. Un petit cuistot de rien du tout. Hein. C'est le premier soir que je tente ma chance. Alors, si vous me faites tout foirer, je mets des cafards dans vos hamburgers. Et oui, il faut croire que tout arrive de nos jours. On sait qu'il a fallu 4 ans pour que les Steelers gagnent le championnat du monde. Steelers ! Je me sens comme le grand Frank Sinatra quand il a épousé la belle Ava. C'est vachement super comme truc, ouais. Vous connaissez celle du Belge qui a oublié ses clés dans sa voiture et qui s'est servi d'un aimant pour récupérer sa famille? Une histoire incroyable. Et l'histoire du Belge qui s'est tué en buvant du lait. Il a reçu la vache sur la carte. Il y a celle du terroriste belge qu'on envoie à l'étranger pour dynamiter une voiture et qui n'a pas réussi parce qu'elle ne trouvait pas l'allume-cigare. Ça pourrait être bonne, c'est une bonne histoire. Vous avez tous été très sympas, alors je retourne à mes hamburgers sans cafard, c'est promis. Avant de vous quitter, je vous présenterai notre prochain numéro. En exclusivité au Mobiz, voici Tina Tech, la danseuse volcanique. Thank you.